d'Yvonne. Et ben les aiglons montent en puissance, hein. Tous. Il y a un très bon test pour s'étalonner. Et pour juger et jauger son état de forme cet après-midi, ce dimanche après-midi. Allez, c'est parti à Liège. Allez, Tamézé dans l'entrejeu. Oula, ça allait risquer. Qui subit le pressing. Tamézé qui perd le ballon. Récupéré par Célia Amala. Amala qui s'essaye. Ouh, grosse frappe. Tamézé Sylvestre. Ah, Sylvestre se déplace bien. Et voilà la. Ouh, là voilà la première occasion du gym. Il s'est très très vite mis dans le bon sens, c'est dit Sylvestre. Gavory et son pied gauche. C'est frappé fort. Et vous l'avez entendu. C'est l'ouverture du score du Standard de Liège. Corner parfaitement frappé. Attention là, il ne faut pas la perdre, Samba. Ah, bien joué, bien joué. Il a senti le coup là maintenant du coup. Samba qui cherche à opposer Ganago. Là, il y a un bon duel à jouer pour le Camerounais. Ou qui déclenche une frappe puissante. Allez, Eddy. Boum. Et bien de tête d'Ibrahim Cissé. Il cherche Samba. Un peu arrêté, Ignatius. Voilà, il préfère jouer. Walter a une touche. Là, c'est bon. Tête de Sylvestre. Ah, voilà. Pour Burner. Burner, un petit sombrero de... Oh, il y a main, monsieur. Monsieur arbitre ne siffle rien. Il y avait effectivement une petite main côté belge. Ici, à Sclessin. Eddy qui respire un bon coup. Qui tente sa chance aussi, qui frappe direct. Et pour Ganago qui cherche, Sako, bien joué dans la profondeur. Issan qui contrôle, Portement. Et l'arbitre siffle qu'à rien. Là encore une fois, c'était une situation litigieuse. Bon ballon de Ganago pour Sako en profondeur. Et alors, il n'y aura pas d'arrêt de jeu. C'est la pause ici à Sclessin, ici à Liège. Nos amis belges, hein. Là, ils sont revenus, ils mettent beaucoup d'agressivité dans leur pressing. Mais c'est pas grave, le gym. Oh, bon ballon de Sylvestre dans le dos pour Sako. Il n'y a pas de hors-jeu, Sako qui est dans le sol devant le gardien. Ah, dommage, dommage, c'était une super opportunité là. Mais c'est pas fini pour les Anglo, c'est Ganago qui va contrôle. La poitrine qui rentre dans la surface, Ganago. Ganago qui centre en retrait. Depuis le début du match, qui met encore plus depuis le début de la seconde période avec une grosse, grosse, grosse occasion pour Issan Sako. Et là, il y a de plus en plus d'espace. Allez, Ganago côté gauche. Ignatius au duel. Il rentre dans le cœur du jeu sur son pied droit. Qui cherche et trouve Eddy Sylvestre. Un ballon difficile maîtrisé par le petit meneur de Genissois. Oh, Eddy qui prend, qui efface, qui rentre dans la surface. Eddy Sylvestre. Et but, Eddy Sylvestre. Voilà, il a tout fait tout seul comme un grand, Eddy. Bien joué. Bien joué. Hein, il est récompensé de ses efforts depuis le début du match. Il est récompensé, Eddy Sylvestre. Il a eu un petit peu de réussite sur le 1-2. Le 2, c'est un baise. Et oh, Standard qui repart pied au plancher. Attention, là, c'est les minutes dangereuses. Il faut bien gérer. Aymon. Ah, Aymon. Aymon qui est trouvé en profondeur. Et il s'agit donc d'une dernière répétition et que ça se voit. Voilà, les Belges sont en forme. Là. Carcella qui s'échappe sur le côté. Walter qui ferme. Carcella est bien joué, Patrick Burner. Mais c'est Pozanovic qui va le prendre. Boum. Il prend deuxième poteau. C'est ressorti, Tamézé. Là, il y a la pression niçoise. Ballon pour Eddy Sylvestre. Frappe d'Eddy Sylvestre. Rémi Walter. Et qui lance Van Guessant. Allez, Van, c'est maintenant qu'il faut pousser. Et encore une fois. Et voilà, il s'oriente. Guessant qui rentre, qui frappe. Il faut situer dans l'espace. Et on en reste là. L'arbitre siffle la fin de la rencontre. Le gym s'incline 2-1 contre le Standard.